Quelque temps après son naufrage à l'île Mort, Jack reprit connaissance sur une côte enneigée, après avoir dérivé, accroché à un débris de son navire. Il se trouvait dans une région où la neige semblait avoir pris le dessus sur tout. Il marcha vers l'intérieur des terres et un épais brouillard l'enveloppa rapidement. Dans cette purée de pois, il fut attaqué par des pumas des neiges qu'il réussit tant bien que mal à terrasser. Mais il fut bientôt pris en chasse par une meute de loups et dut fuir. Il courut à perdre haleine pour se retrouver bloqué au bord d'un précipice. Coincé entre le vide et les bêtes affamées, il tenta de se défendre, mais tomba bientôt, transi de froid et blessé par les crocs des loups. Quand il ouvrit les yeux, il fut surpris de se voir en vie, à l'intérieur d'une maison froide, sur un tapis en peau d'ours. Il se releva, incrédule, sans comprendre où il était. Un grognement sourd dans son dos l'alerta et il fit volte-face pour découvrir un immense monstre aux griffes acérées. Terrorisé, il tourna des talons et s'enfuit vers la sortie. À peine fut-il à l'extérieur qu'il tomba nez à nez avec deux autres créatures tout aussi impressionnantes que la première. Coincé entre ces monstres, il crut sa dernière heure venue. Mais le plus gros des trois se mit à lui parler dans une langue qu'il se surprit à comprendre. Jack apprit ainsi qu'il se trouvait dans le village de Taraonem, dans les hauts plateaux, et qu'il avait été recueilli à moitié mort par un yéti, près du nid du monstre Kameria, où beaucoup de voyageurs perdus dans le brouillard périssaient. Le chef des yétis invita le marin à rejoindre les villageois. Jack fit ainsi la connaissance du peuple des Yétis et découvrit la splendeur des fêtes taranoémiennes. Heureux d'être en vie, il dansa toute la nuit. Le lendemain, le chef des Yétis lui indiqua le chemin pour rejoindre un groupe d'humains, avec qui son village entretenait de bons rapports. Jack Prince se mit alors en route vers le camp de la Garde Blanche. Après 2 heures de marche dans le froid,
Il arriva devant l'un des gardes. Il lui expliqua le but de sa visite et l'homme le fit entrer dans le refuge de l'Unité Blanche. Là, il fut convié à parler à Olivia, la chef de cette unité, créée pour protéger les quelques visiteurs des hauts plateaux. Elle lui expliqua que pour survivre dans cette région hostile, il devait apprendre à se battre. Pour tester le marin, Olivia le fit combattre le chef et le soigneur de la garde. Après avoir perdu ses duels, Prince décida de partir seul dans les terres des hauts plateaux pour s'entraîner face aux monstres. Six mois s'écoulèrent, durant lesquels le jeune capitaine développa l'art de la furtivité pour survivre. Il se servit ensuite de ces techniques pour terrasser ses adversaires. Quand il revint parmi les membres de la garde blanche, il ne perdit plus aucun duel. Mais tout ce temps loin de la mer et du port de Kokoma lui donna l'envie de reprendre la route vers son pays natal. Olivia lui conseilla de rejoindre d'abord Keter, la capitale de Valorian, pour développer ses techniques d'assassinat. Prince fit alors ses adieux aux membres de l'Unité Blanche et partit vers son destin de soldat, une vie à laquelle il n'aurait jamais pensé quelques mois auparavant. Avant son grand voyage vers Keter, il voulut dire adieu au Yeti qui l'avait sauvé et passa vers Taraonem. Batugi, le chef du village, l'accueillit chaleureusement et lui demanda son aide pour une mission spéciale. Les Harpies, éternels ennemis des Yeti, avaient capturé quelque temps auparavant un éclaireur Yeti et le retenaient captif. Batugi demanda à Prince de libérer le malheureux. Après avoir montré au vieux Yeti ses talents de furtivité, il partit pour Teju, le village des Harpies. En arrivant près du village ennemi, il vit un soldat Harpie qui patrouillait. Il le prit par surprise et le vainquit. Laissant la créature blessée au bord de la route, il pénétra discrètement dans Teju et se glissa jusqu'à la cage qui retenait prisonnier le Yeti. Il força la porte et ramena le captif dans son village, en emportant avec lui la harpie qu'il avait vaincue et qui fut faite prisonnière à Taraonem. Une fois cette mission accomplie, Captain Prince fit enfin ses adieux au Yeti et reprit son long périple vers Keter, la ville où tout est possible. Quelle rencontre allait-il faire sur son chemin? Quelle épreuve allait-il traverser? Arriverait-il sain et sauf dans la capitale ?